Hello, hello! Nous vous proposons aujourd'hui notre recette de pâte à tartiner maison, irrésistiblement délicieuse. C'est parti! Il vous faudra 150 g de noisettes, 100 g de chocolat au lait, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et une gousse de vanille. Commencez par préchauffer votre four à 200 degrés, puis disposez les noisettes sur une plaque de cuisson en les espaçant. Enfournez-les 10 à 15 minutes pour les torréfier. Une fois que la cuisson est terminée, disposez dans un saladier un torchon propre où vous allez déposer vos noisettes de manière à stopper la cuisson et les refroidir. Pendant ce temps-là, faites fondre votre chocolat au lait au bain-marie. Les noisettes ont refroidi, on va maintenant enlever la peau en refermant le torchon, puis en les frottant les unes contre les autres de manière à décoller les petites. À présent, je prends le bol de mon mixeur où je vais déposer les noisettes sans les petites peaux pour réaliser une purée de noisettes. Je mets le robot en vitesse 1, puis, au bout de quelques secondes, je retire le bol, secoue, décolle des parois la purée et repars en vitesse 2. Cette fois-ci, on laisse beaucoup plus longtemps de manière à avoir une purée de noisettes bien lisse et onctueuse. Le chocolat est totalement fondu, on va pouvoir le retirer du bain-marie et y ajouter directement notre purée de noisettes. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et je mélange. Ensuite, je prépare les gousses de vanille en les découpant en deux, puis en grattant les petits coins. Puis je rajoute enfin le dernier ingrédient de notre recette, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Notre pâte à tartiner est enfin prête. Vous n'avez plus qu'à la verser dans un bocal et attendre dans l'idéal 24 heures pour que le goût de la noisette se révèle.